Je ne suis pas du genre statique, j'aime bien bouger, vous verrez. Donc je voudrais surtout d'abord vous remercier de m'accueillir à Montréal. Il paraît que je vais être passionnant. Je ne sais pas si je suis passionnant simplement parce que je suis bruxellois ou parce que je suis chercheur en intelligence artificielle. Je vais essayer de l'être dans les deux cas. Et c'est vrai que quand on passe ici une semaine, je voudrais de nouveau remercier Mehdi et tout le comité d'organisation. C'était une semaine assez extraordinaire. J'espère que ce n'est pas la dernière et que j'aurai encore l'occasion de vous retrouver bien souvent. Donc, je dirige un laboratoire qui. Alors, j'ai vu dans le journal ce matin que j'étais gourou en intelligence. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Montréal, parce que parfois, il y a parfois des polysémies ou des trucs sémantiques qui ne sont pas pareils à Bruxelles et à Montréal. Mais nous, gourou, c'est un peu péjoratif. C'est gourou en scientologie ou gourou des sectes religieux. Gourou, c'est toujours un peu dangereux. Alors, j'espère que vous ne le prenez pas comme ça. Donc, voilà, excusez pour le gourou. Alors, je voudrais. En fait, dans cet exposé, j'ai essayé de parler de deux ou trois choses. Mehdi m'a dit que, vu la défection de mon co-citoyen belge, j'aurais peut-être 2 ou 3 minutes en plus. Je vais balayer deux ou trois choses. La première, c'est un peu pour vous faire part d'un grand optimisme qui est le mien sur les technologies du numérique, qui n'est pas forcément l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, mais on a parlé de Smart City, etc. Je pense qu'il y a des opportunités extraordinaires à saisir aujourd'hui pour le numérique, notamment, et c'est l'occasion de ce titre, du numérique pourrait venir notre salut. Bon, j'ai écrit pour l'Académie en Belgique un petit essai où j'essaie d'expliquer pourquoi du numérique pourrait venir notre salut. Donc, ça serait une petite première partie de mon exposé. Et puis, dans une deuxième partie, très rapide aussi, le temps étant ce qu'il est, je vais essayer un peu de démystifier et de vous aider un peu à comprendre, de faire votre marché dans les technologies d'intelligence artificielle, parce qu'on s'y perd un peu entre la vieille intelligence artificielle, la nouvelle intelligence artificielle, le machine learning, le raisonnement, le problem solving. Moi, je suis dans cette discipline depuis maintenant 30 ans, oui, malheureusement. Et vous allez voir qu'il y a parfois des allers-retours entre différentes idées en intelligence artificielle. Je vais essayer d'un tout petit peu vous aider à clarifier tout cela. Alors, on va commencer par cette opportunité extraordinaire du numérique aujourd'hui pour affronter beaucoup de menaces, malheureusement. Peut-être que vous partagerez, je ne vais pas plomber la soirée, mais bon, aujourd'hui, nous vivons quand même des temps un tout petit peu difficiles. Une des raisons pour lesquelles les temps sont difficiles, c'est qu'on vit une complexification du monde. Le monde se complexifie, ce qu'on appelle nous la complexité quand on est ingénieur ou physicien, c'est on met ensemble des réalités locales qui détachées pour être gérables, mais quand vous les mettez toutes ensemble, ça crée des tout. Vous savez, la fameuse phrase, le tout est plus que la somme des parties. Le complexe, si vous voulez, nous échappe. L'intérêt du collectif, ce n'est pas forcément la somme des intérêts individuels. L'enchaînement des missions à court terme, ça ne fait pas forcément les objectifs à long terme. Et donc, il y a cette idée que le monde, on perd un peu son contrôle. Et donc, avec cette perte de contrôle, on est sujet d'un ensemble de menaces. Et bon, ben là, c'est une banalité malheureuse, menace environnementale, avec une des plus effroyables tragédies des communs que nous allons devoir affronter. Je sais que le Canada est extrêmement sensible aux problèmes environnementaux, notamment aux problèmes de réchauffement climatique. Les crises économiques qui se succèdent, avec là, on voit bien la création de systèmes qui sont très, très fragiles. Moi, je travaille sur la simulation des systèmes bancaires. On voit bien que c'est des systèmes où les banques se tiennent les unes les autres. Une banque fait faillite et elle entraîne dans sa suite toutes les autres. Donc il y a une grande fragilité systémique. Les menaces sociétales. Bruxelles, comme vous savez, malheureusement, a été victime ou est encore victime de sérieux problèmes comme des problèmes de communautarisme ou des problèmes de terrorisme. Et face à ça, c'est le constat noir. C'est la chose la plus noire que je vais vous dire. Elle est déjà assez noire, hein, mais je vais essayer de la colorer un tout petit peu avec les opportunités, évidemment, informatiques qui nous permettraient de faire face à ces menaces. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une informatique extraordinairement intelligente. C'est l'intelligence artificielle, meilleur joueur d'échecs, meilleur joueur de Go, meilleur joueur à Jeopardy, qui serait un peu l'équivalent de notre question pour un champion, récemment meilleur joueur de poker, meilleur conducteur automobile, qui fait le moins d'accidents, j'en passe et des meilleurs. Donc on a une technologie qui, à titre individuel, est déjà extraordinairement performante. Mais en plus, elle se loge partout. Vous savez, les fameux objets connectés, vous pouvez mettre cette intelligence un peu partout dans les objets, dans votre brosse à dents, dans votre frigo, dans n'importe quel objet, et elle communique. C'est-à-dire que ces objets communiquent par les réseaux qui sont aussi tout aussi ubiquitaires que cette informatique. Donc c'est ça, les opportunités informatiques qui, selon moi, devraient permettre de faire face
à ces menaces, pour autant qu'on accepte de confier évidemment jusqu'à un certain point, et c'est vrai que ça fait peur. Moi, je constate qu'en France et en Belgique, où je donne beaucoup cours, cette informatique fait peur. Hein, on voit souvent le big data comme une espèce d'espionnage, de big brother, etc., malveillant. Moi, j'essaie toujours de diffuser un discours beaucoup plus optimiste d'un big brother algorithmique, d'un big brother numérique éventuellement, parce que nous confierions nos existences à des algorithmes, mais bienveillants. C'est-à-dire un big brother soft, soft dans les deux sens du terme, si vous voulez, software et soft doux. Et donc, joindre les deux constats, c'est un peu ma mission depuis quelques années, se servir de l'informatique pour faire face à ces menaces. Donc, quelques exemples, vous savez qu'on parle beaucoup d'automatisation des transports en commun, mais je ne vois pas pourquoi on devrait résister à une automatisation des transports en commun, donc des véhicules autonomes ou des minibus collectifs autonomes. Il y a beaucoup, je ne sais pas au Canada où ça en est, mais en France, je travaille beaucoup sur les transports des minibus collectifs autonomes à La Rochelle et à Lyon, mais c'est formidable. Ils ne sont jamais en retard, ils ne s'arrêtent pas, il n'y a pas de problème de parking, ils sont hyper safe. Je ne vois pas du tout le problème des véhicules autonomes. On travaille dans mon laboratoire beaucoup sur la transition énergétique. Au Canada, vous avez l'eau, mais en Belgique, on essaie avec le solaire. On essaie un peu avec le solaire, donc on doit installer des panneaux solaires partout. On crée ce qu'on appelle des smart grids. Ça demande beaucoup d'intelligence informatique pour réguler les transitions énergétiques entre les différents agents. Les smart contracts, vous avez sans doute entendu parler de la blockchain. Alors c'est marrant, j'ai reçu un email, parce que je sais que vous êtes très très sensible à ça, j'ai reçu un email aujourd'hui d'un Français qui m'a dit « Arrêtez d'appeler ça le blockchain dans vos interventions, ça s'appelle la chaîne de blocs ». Alors, voilà, donc pour ceux qui veulent défendre le français jusqu'à ses derniers recoins, il faut arrêter de parler de blockchain et il faut parler de la chaîne de blocs. Vous savez, la chaîne de blocs, c'est cette technologie informatique. En fait, je crois que celui qui m'a envoyé l'email, c'est celui qui a fait l'entrée de Wikipédia et qui est, voilà, qui est chaîne de blocs, voilà, donc chaîne de blocs, et qui est la possibilité de réaliser des contrats de manière beaucoup plus fiable, avec un accru de confiance, hein, puisque la confiance même devient plus chose algorithmique que chose humaine. On peut intégrer les contrats dans une blockchain et s'assurer évidemment de leur exécution et remplacer, si vous voulez, la confiance humaine. Et bon, police prédictive, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est souvent ce qui fait le plus débat, mais si vous voulez, on aura l'occasion de parler de cela. Mais voilà, c'est toutes des opportunités de l'informatique pour, je pense, rendre nos sociétés beaucoup plus viables qu'elles sont en train de devenir. Alors ça, c'était mon premier constat, une espèce de constat très optimiste sur les opportunités informatiques. Maintenant, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Parce qu'on s'y perd un peu. Et vous savez qu'au Canada, et notamment à Montréal, vous pouvez en être fiers, vous avez une équipe tout à fait brillante en machine learning, hein, notamment dirigée par Josiah Benjo et d'autres. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est devenu synonyme de deep learning. Deep learning, c'est l'intelligence artificielle. Quand on travaille dans ce domaine depuis 30 ans, on est un peu surpris, évidemment, parce qu'on a fait de l'intelligence artificielle avant la machine learning. Et puis, le machine learning existait déjà dès les années 50. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des espèces d'oscillations entre une intelligence artificielle que moi, je vais tendance à appeler consciente. Vous allez voir, ces deux mots vont sans doute vous surprendre. Il y a une intelligence artificielle que j'appelle consciente et une intelligence artificielle que j'appelle inconsciente. Ce n'est pas péjoratif qu'elle soit inconsciente. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous faisons de manière inconsciente qui sont bien plus performantes que ce que nous faisons de manière consciente. Justement, quand vous jouez au tennis, quand vous faites de la musique ou quand vous roulez en vélo, vous n'avez pas l'impression d'être très conscient de faire tout cela. Et on est extraordinaire pour ce genre de tâches. D'ailleurs, des tâches qu'on partage beaucoup avec le règne animal. Donc, je vais essayer de vous différencier les deux IA dans trois exemples que vous allez très, très bien comprendre. Donc, une IA qui apprend et qui performe et une IA qui pense et qui comprend. Alors, l'IA qui apprend et qui performe, c'est l'IA inconsciente. Et l'IA qui pense, qui raisonne, c'est l'IA consciente. Alors, je vais vous montrer trois exemples d'une immense facilité. Vous allez très, très vite les comprendre. Le premier, c'est le tic-tac-toe. Vous avez toujours au tic-tac-toe. Hein, vous savez, vous devez mettre trois lignes et trois ronds, le jeu d'enfance. Bon, c'est moins compliqué que le go, c'est moins compliqué que les échecs, mais là, les mécanismes qui sous-tendent ces jeux sont un peu semblables. Si vous le faites à la façon machine learning, bon, maintenant on appellerait ça deep learning, mais on peut le faire à la façon machine learning. On ne ferait pas ça avec du machine learning, mais là, la philosophie serait un peu le même. Vous prenez toutes les parties de go qui ont été exécutées depuis le début de l'humanité et vous faites des statistiques là-dessus. Et vous allez vous rendre compte que quand vous commencez avec, supposez que vous essayez, l'ordinateur doit jouer la croix, il va se rendre compte en apprenant toutes les parties qu'en mettant la croix au milieu, statistiquement, il a beaucoup plus de chances de gagner qu'en mettant la croix ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence, c'est des statistiques. On essaie toutes les parties de Go, et puis on voit que, et aujourd'hui on peut se le permettre, on a des ordinateurs qui fonctionnent, comme vous savez, au gigahertz, donc une instruction c'est 10 puissance moins 9 secondes, on peut en faire des milliards, donc on peut en faire des tonnes, c'est ce qui s'est passé au Go. On a fait des milliards de parties, et on s'est rendu compte que statistiquement, il y avait des coups qui étaient beaucoup plus porteurs que d'autres. Mais il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Si, on retrouve une intelligence, mais par le mécanisme de l'apprentissage. Ce que moi j'apprends à mes étudiants, c'est faire une autre IA, c'est ce qu'on appelle
le raisonnement, et c'est un peu différent. Mais les deux fonctionnent très bien. Pour le tic-tac-toe, celle-là fonctionne très bien, mais pour le go, on a besoin d'apprentissage. Celle-là, c'est ce qu'on appelle un min-max, c'est une des techniques d'intelligence artificielle qui est du raisonnement. En fait, on se dit, ah, moi je vais faire ça, mais mon adversaire peut faire ça, mais si mon adversaire fait ça, je fais ça, et vous construisez un arbre de coups. C'était l'IA dans les années 50, les années 60. On pensait que toute l'intelligence, c'était comme ça. Il fallait construire du raisonnement. Et le raisonnement, c'est construire des arbres. Hein, de dire, vous anticipez ce que vous faites, vous anticipez ce que fera l'adversaire, etc. Et après, vous, simplement, vous mettez un poids, une espèce de valeur heuristique qui qualifie la configuration du jeu. Et en faisant, c'est John Van Neumann qui a inventé ça pour l'histoire de l'informatique, qui est aussi le père de l'informatique. Si vous faites un raisonnement de type min-max, c'est-à-dire que vous maximisez vos chances et vous minimisez les chances de l'adversaire, vous allez en déduire la même chose. Vous allez en déduire que c'est mieux de mettre la croix au milieu. Mais j'espère que vous avez compris la différence. Il y en a une qui, d'une certaine manière, raisonne plus. Hein, elle n'a pas l'apprentissage, hein, elle raisonne, et elle a besoin de l'humain aussi. Elle a besoin de l'humain pour simplement valoriser les configurations. Il y a besoin de mettre des heuristiques, donc il y a une mainmise de l'humain qui est beaucoup plus importante que celle qui apprend où l'humain a totalement disparu. On n'a plus besoin d'humain. Il suffit d'avoir des statistiques sur les parties gagnantes. Un deuxième exemple que j'aime bien, c'est la voiture autonome. Parce que j'avais travaillé sur la voiture autonome dans les années 80. À Carnegie Mellon, il y avait une voiture qui s'appelait NavLab. Et en fait, on travaillait avec les réseaux de neurones. Ce sont les mêmes réseaux de neurones qui aujourd'hui font le deep learning, etc. En fait, l'idée d'une voiture autonome conduite par des réseaux de neurones, c'est très simple. Bon, très simple, j'ai un peu caricaturé, évidemment. Vous mettez une caméra sur le capot de la voiture et vous filmez tout ce que le conducteur est censé voir. En fait, vous remplacez les yeux du conducteur, hein, vous filmez. Et puis, vous enregistrez aussi tout ce que le conducteur fait. Hein, quand le conducteur voit ça, il a fait ça, il voit ça, il a fait ça. Et vous constituez une immense base de données, gigantesque. Vous pourriez même imaginer de prendre tous les meilleurs conducteurs de la planète et enregistrer tous les meilleurs conducteurs de la planète. Vous constituez une immense base de données et vous la donnez en pâture à un réseau de neurones. C'est-à-dire que vous dites au réseau de neurones, quand tu vois ça, tu fais ça. Et si tu ne fais pas ça, on va changer tes poids, on va changer tes paramètres pour que tu te comportes exactement comme les conducteurs humains. Évidemment, ce réseau de neurones, il n'y a pas la moindre idée qu'il est en train de conduire une voiture. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il reproduit simplement une base de données des actions-perceptions des conducteurs. Donc, et il conduit très très bien la voiture. C'est un peu, je caricature, mais c'est un peu aujourd'hui le type de logiciel qui fait fonctionner les voitures autonomes, les voitures à la Google ou à la Tesla. Un ingénieur est complètement déconcerté quand on lui dit ça. Parce que pour un ingénieur, la conduite d'un procédé, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça. Alors ne nous demandez pas d'expliquer. Ça, c'est l'intelligence humaine. Là, il n'y a pas d'équation. Et étonnamment, ça marche mieux que ça. Parce que ça marche pour des procédés relativement simples. Il faut faire un modèle mathématique du procédé, on fait un modèle mathématique de la fonction coût, on essaie de résoudre ça, c'est beaucoup de maths. Et les procédés doivent être linéaires. Vous imaginez une voiture dans Montréal, linéaire, vous voyez un peu, et à Bruxelles c'est pareil, c'est encore pire à Bruxelles après ce que j'ai vu qu'à Montréal. Donc vous voyez, on est obligé de recourir à des techniques d'apprentissage pour pallier la complexité propre à ce genre de procédé. Alors, mon dernier exemple, c'est la traduction automatique. J'aime cette phrase parce que je l'ai une fois mise dans le moteur de traducteur de Google. Je ne sais pas si c'est la même tout à fait. Donc, après ce plat de faillot, mon arrière-train sifflera trois fois. Si vous mettez ça dans Google, « After this dish of baked beans, my hindquarters whistle three times. » C'est bien, mais ce n'est pas tout à fait le sens de cette phrase. Okay. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, pour traduire les phrases, on faisait des études syntaxiques, c'est un peu Chomsky. Vous savez, Chomsky est un grand nostalgique, Chomsky est bien connu pour un tas de choses, mais Chomsky est un des pères de l'IA et un grand nostalgique de l'IA de l'époque. L'IA syntaxique qui faisait une étude de la phrase, on essayait d'extraire les groupes verbaux, les groupes nominaux, on essayait de comprendre le sens de la phrase. Et on faisait sans doute l'allusion avec le film, avec Google Translate ou la philosophie qui sous-tend Google Translate, il n'y a plus besoin de ça. Je vais un peu caricaturer aussi, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. On prend tous les bouquins et toutes les traductions de tous les bouquins dans toutes les langues qui ont été commis depuis l'origine de la traduction, hein, vous constituez une immense bibliothèque de traduction, et vous donnez ça à un gros réseau de neurones qui va simplement apprendre à traduire. Et là aussi, pas besoin de compétences linguistiques. Je discutais avec Yoshua Benjo hier, il me disait, pauvre Chomsky, il est mort, mais il n'était pas mort encore, mais dans les sens un peu métaphoriques du terme, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de linguistes comme on le faisait à l'époque. Et aujourd'hui, cette IA-là, pourquoi est-ce qu'elle perce? Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement? Parce que justement, quand on affronte des problèmes d'une grande complexité, eh bien, on a besoin de cette IA-là. Cette IA qui apprend fonctionne mieux,
avec des situations pour lesquelles l'intelligence humaine, l'intelligence de l'ingénieur n'a plus les moyens de faire face à la complexité. Ok, donc je finis. Voilà. Bon, je voudrais simplement vous dire que... J'ai déjà parlé 12 minutes ? Bon, ok. Alors, je finis. Alors, ok. C'est pas grave. Je voulais vous montrer ce que je fais dans mon labo. Vous irez googler, YouTuber, vous verrez ce qu'on fait dans mon labo. Alors, pour revenir sur mon premier thème qui me tient à cœur, vous avez compris la différence entre les deux IA ? Et vous avez compris pourquoi le deep learning est tellement populaire ces jours-ci ? Voilà, c'était moi, finalement, si j'ai pu rendre service à la communauté, c'est ça. Alors, si... pour revenir maintenant à mon premier, je finis là-dessus, je vous promets, c'est mon dernier slide. Pour revenir à un peu l'intro sur les deux constats, si vous voulez, le constat noir et le constat joyeux, il y a quand même des conditions à remplir pour que le constat joyeux puisse s'exécuter et que nous confions en effet nos existences à des algorithmes. Je pense que la première chose, et même si on a un représentant de Google ici, je pense qu'il faudrait très très vite reprendre la main sur le pouvoir qu'ont acquis les GAFA. Alors je sais pas, quand j'ai parlé de GAFA en Montréal, on me regardait avec des grands yeux. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Il y a un monsieur, il y a IBM ici, j'aurais dû mettre GAFAI, quelque chose, pourquoi pas. Parce qu'en fait, ils sont en train de s'emparer de toutes ces technologies, et de manière extraordinaire, parce qu'ils ont une concentration des cerveaux, concentration des technologies et concentration des données, comme il n'y a plus aucun laboratoire qui a. Et c'est très très difficile, à mon avis, de rivaliser, on en parlera après par la suite, mais c'est un des points, évidemment, il va falloir retrouver un tout petit peu le contrôle de tout ça. Entamer les transactions, on parle de disparition d'emplois, je trouve que c'est de la folie. Il y a des créations, il y a des viviers d'emplois extraordinaires en transport autonome, en smart grid. Il y a là des viviers, il faut changer nos villes pour pouvoir bénéficier justement de ces smart grids et ces transports autonomes. Et donc là, il n'y a vraiment pas de menace de perte d'emploi, pour autant qu'on réussisse à assimiler ces techniques. Former les gouvernants et les citoyens numériques. Je sais qu'au Canada, vous faites des gros efforts en matière d'éducation numérique. En Belgique, on est tout à fait à l'arrêt. On n'arrive pas. Ça fait 20 ans que je me bats pour avoir des cours de programmation dans le primaire et dans le secondaire. C'est peine perdue. En France, ils y sont un peu parvenus avec les terminales, si ça vous intéresse. Il y a des Français dans la salle. Maintenant, en terminale S, on peut faire un cours de numérique. J'ai écrit le bouquin avec Gilles Dohec. Mais c'est vraiment très compliqué de faire entrer des cours de programmation dans l'enseignement obligatoire. Promouvoir une algorithmique totalement transparente et issue des communs. Donc si je conseille de lire Eleonore Ostrom, prix Nobel d'économie, pour sa pensée des communs, elle explique exactement les communautés d'informaticiens, et je pense que c'est une bonne manière de développer ces algorithmes qui doivent être transparents et qui doivent résulter d'un commun, et infiltrer les lieux de gouvernance avec un maximum d'experts neutres et reconnus par leurs pairs. Voilà. Ça, c'est les conditions pour que cette transition soit possible, mais il me semble qu'elle est indispensable, parce que si nous ne confions pas nos existences à ces dictatures, je m'excuse pour le terme, ce Big Brother soft, il risque d'y avoir d'autres Big Brother, vous savez, avec les élections qui se proposent en France et en Belgique, ce n'est pas brillant non plus, il risque d'y avoir beaucoup d'autres Big Brother qui reprennent la main sur le gouvernement, et eux risquent d'être beaucoup moins soft. Voilà, merci.